Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour un petit tour de cartes sympathique avec juste quelques cartes, 5 en l'occurrence. Et sur ces cartes sont dessinées, sur la première nous avons une maison, la deuxième nous avons une télévision, sur la troisième une bougie, sur la quatrième nous avons une montre et sur la dernière une voiture de sport. Donc une voiture, une montre, une bougie, une télé et une maison. Dans le tour classique, un spectateur choisit une carte, celle qu'il souhaite. Étant donné que j'ai pas de spectateur, j'ai noté sur des bouts de papier les noms correspondant au dessin, bien évidemment. Ce que l'on va faire, pour vraiment prouver que le choix est totalement libre, je vais plier ces bouts de papier, comme ceci, les disposer dans ma main. Je vais secouer le tout, je les jette et on les dispose aléatoirement devant. Ça n'a aucune importance puisque c'est le dé qui va décider. Et nous commencerons de la gauche vers la droite, comme ça, aucun doute possible. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, si on tombe sur le 6, et comme il n'y a que 5 cartes, on recommencera le lancer, bien sûr. Et c'est parti, donc le spectateur va choisir une carte, laquelle? 6, donc on recommence, ça commence bien, et là, ça sera 4, donc 1, 2, 3, 4. Aucun changement possible, donc on récupère le papier. Et on regarde, il est tombé sur la bougie. Donc on récupère nos cartes. Il aurait pu choisir la maison. Il aurait pu choisir la télévision. Il a préféré la bougie. Donc on va la déposer sur le côté. On rassemble nos cartes. On les dépose devant. Et vous n'allez pas le croire, mais depuis le début, je savais que vous allez choisir la bougie. Pourquoi? Parce que derrière la bougie, j'avais marqué bougie. Je sais, ça va vous faire rire parce que vous êtes en train de vous dire il nous prend pour des couillons. Derrière la télé, il y a marqué télé, derrière la voiture, il y a marqué voiture, derrière la montre, il y a marqué montre, etc. Et bah, vous n'allez pas le croire, mais je savais vraiment que vous allez choisir la bougie depuis le début. N'oubliez pas que le choix était totalement libre, il peut être nommé par le spectateur. Et bah, vous n'allez pas le croire, regardez ce qu'il y a de marqué derrière. Vous allez choisir la bougie. Et le choix peut être différent, il aurait pu choisir n'importe quelle carte, ça n'aurait rien changé. Je savais d'avance ce que vous allez choisir. J'espère que ce tour vous a plu, moi je le trouve super sympathique et le choix est libre. Et je vous dis à bientôt.